Coucou guys, aujourd'hui on va faire une sauce à la viande pour accompagner les fritures, donc caloco, frites, spaghettis, tout ce que vous avez. Commence par bien laver la viande. Ok, là je vais mettre des petits poivrons, okay, des poivrons rouges. Et je vais mettre ensuite de l'ail que j'ai émincé. C'est vraiment une recette de la flemme là, je mets tout dedans, les oignons. Ensuite je vais découper du persil que j'ai mis dedans également et beaucoup de tomates pour que ce soit un peu consistant à la fin. Et j'ai mis bien sûr du Maggi. Ah, j'essaye d'arrêter mais hey, j'arrive pas. J'ai mis une cuillère à café de poivre et ensuite une petite demi-cuillère à café de moutarde et on va tout mélanger. Donc là, vous avez tous vos ingrédients, vous pouvez rajouter les épices que vous voulez, mais moi, je voulais vraiment quelque chose de simple et vite fait. Donc là, j'ai mélangé, j'ai laissé reposer un petit peu et j'ai mis ma casserole au feu. On laisse chauffer la casserole. Donc ça, c'est ma petite astuce. Je mets un petit oignon. Quand l'oignon est noir, je sais que la casserole est chaude. Donc là, je mets ma viande. Vraiment, cette recette-là, c'est la recette de la flemme. Parce que tu ne fais rien, genre tu mets tout, tu remues et tu vas fermer. C'est tout ce que tu as à faire et tu attends que, ben, que ça cuise quoi. Alors le feu, on va pas faire un feu fort, on va mettre à feu doux. Alors là, donc là, je sais pas pourquoi, mais les tomates, les oignons, ça fait, il y a de l'eau qui sort une fois que ça commence à bien cuire. Donc là, j'ai pas rajouté d'eau, hein. C'est vraiment l'eau qu'il y a dans les tomates et les oignons qui sont en train de faire cuire la viande à feu pas très fort, mais quand même le milieu. Disons que si votre réchaud il est à 5, à 10, mettez le feu à 6 par exemple. Donc là, on va laisser ça mijoter encore. Donc là, il faut remuer à chaque fois pour pas que ça colle parce que mes marmites sont vraiment rapide à coller, donc c'est pour ça que je remue tout le temps. Donc regardez déjà, la viande est déjà tendre, hein? Ok, là c'est bientôt prêt. Ah, pour moi ça c'est prêt là, donc faut juste servir et bon appétit. Donc j'ai servi ça avec des frites surgelées que j'avais, vraiment flemme, et un petit peu de pain. C'était trop doux. Bonne journée.